Bonsoir à tous, bienvenue pour les commissaires de course pour ce Paris-Roubaix dantesque. Un scénario dont on y reviendra peut-être, la pluie, le vent, les pavés humides, les chutes, les crevaisons. Et c'est, ça faisait 900 jours sans Paris-Roubaix. Et donc on va débriefer cette victoire de Colbrelli avec Théo. Salut Théo. Salut Greg, salut tout le monde. Et Grégory, salut à toi. Salut à tous. Bien, ben, déjà, je pense que nous étions très nombreux sur le forum, notamment, à attendre avec impatience ce Paris-Roubaix, 900 jours, et d'autant plus que depuis 20 ans, c'est la première fois qu'il était pluvieux. On a envie de dire, voilà, ça fait quand même du bien. Alors, on en reparlera peut-être, mais un scénario fou. Déjà, globalement, ton sentiment sur la course, Théo? C'est un peu un sentiment doux amer, mais en vrai la course était fantastique. C'est pas le meilleur Paris-Roubaix que j'ai vu, je pense, mais c'est un des meilleurs. Et surtout, on a le retour des images mythiques avec les coureurs pleins de boue. C'était assez fantastique. Et même s'il y a quelques moments, à des certains moments de la course, je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais j'avais l'impression que c'était plié. Le fait que tout se retourne, enfin, c'était quand même un spectacle très haletant et vraiment très agréable. Et on a quasiment tous les kilomètres de la course ont compté, en fait, quoi. C'est aussi ton sentiment, Grégory ? Ouais, ben, c'est forcément, c'est une course, une super course au niveau du visuel, quoi, et du rendu. Enfin, c'est vraiment l'enfer du Nord qui porte bien son nom, quoi. Et du coup, ouais, ça fait du bien de revoir un Paris-Roubaix après autant de jours où on a été privés l'an dernier également. C'est une sacrée édition. Après, même les coureurs étaient pressés dans des coudes parce que c'est quand même parti assez vite. Enfin, échapper. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, parce que ton son il a tendance à baisser. Souci de micro. Non, je voulais dire que les coureurs en fait étaient pressés de se glisser dans l'échappée et ça a vraiment pas mal bataillé dès le départ. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de rounds d'observation. Bien. Enfin, pour le coup, pour moi, hein, enfin, honnêtement, pour 6 heures de course, honnêtement, moi, je ne les ai pas vus passer. Hein. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais quand on pense que voilà, elle a commencé à 11 heures et s'est terminée vers les 17 heures, voilà, moi, j'ai rarement, enfin, je ne me suis pas vraiment ennuyé, même s'il y a eu peut-être quelques temps morts ou quelques temporisations. C'était vraiment une course assez agréable à suivre. On va peut-être dire après peut-être un mot du scénario, avec cette échappée d'abord, une première échappée de 30, Théo. Ouais, une grosse échappée de 30 avec des gros noms dedans. C'était même parti un peu avant, on avait vu Trentin notamment et Tuns devant, et en fait ça, voilà, ça marquait vraiment, enfin, tous les coureurs avaient en tête que ben, sur Roubaix, c'est une bonne chose d'être dans l'échappée de tête, mais encore plus dans un Roubaix pluvieux, savoir où tu peux mettre tes roues, ça peut être un gros gros avantage. Du coup, on a eu un gros groupe qui est sorti, vraiment à la pédale, en fait, quasiment toutes les équipes étaient représentées, sauf peut-être Astana et Intermarché, je ne sais plus exactement. Et il y avait des gros noms dedans, il y avait Stefan Kung, il y avait Jenny Moscone,
Il y avait Van Avermaet, ouais. Alors j'ai un peu de mal à me souvenir de tous les coureurs qu'il y avait devant, parce que c'est vrai que ça a pas mal écrémé au cours du temps, mais c'est un groupe qui a pris pas mal de temps et qui est arrivé sur les premiers secteurs pavés avec à peu près 2 minutes d'avance, même un peu plus, je crois. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Mais vas-y, termine, oui. Oui, et en fait, dès qu'on est arrivé sur le premier secteur pavé, la course s'est totalement emballée. Il pleuvait encore vraiment au moment des premiers secteurs pavés, et vraiment le peloton a explosé. Au bout d'un moment, très rapidement, il n'y avait plus qu'une trentaine de coureurs dans le peloton. C'est un peu revenu de l'arrière. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que bah, voilà, pendant ce deuxième quart de course, on va dire, le scénario était très difficile à analyser. Moi, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Il y avait des groupes partout. Et ça faisait même presque un peu trop. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai même trouvé ça un peu trop dangereux, limite. Enfin, c'est aussi que il y avait un moment aussi deux coureurs devant. Hein. Je crois que c'est Vermeersch et Ikov qui étaient partis. C'est dur à suivre d'ailleurs. Enfin, je sais pas votre sentiment, mais je pense qu'on était beaucoup à avoir oublié que Jenny Moscone, par exemple, était dans le groupe devant. Enfin, c'est un peu ton sentiment, Grégory, à un moment. Bah, disons qu'il a quand même su largement se faire oublier à l'avant de la course. On l'a pas trop vu bah, avant qu'il passe à l'offensive plus tard dans la course et on en reparlera. Mais oui, effectivement, l'entrée sur les secteurs pavés, ça a beaucoup animé la course et là, on a pu se rappeler de certaines choses qu'on a vues dans des éditions bien pluvieuses. Dès l'entrée sur les secteurs pavés, directement les chutes, les crevaisons, parfois certains ont crevé plusieurs fois à la suite, certains sont tombés deux, trois, quatre, voire plus de fois encore. Et ouais, ça a fait pas mal de spectacles. Forcément, à un moment donné, la réalisation ne savait plus trop qui regarder, et même de toute façon, même les motos de la réalisation étaient un peu en difficulté par moment avec les chutes de coureurs. Donc ouais, effectivement, c'était une sacrée entrée en matière au niveau des pavés, le début de course. Bah, et même d'ailleurs pas que sur les pavés, puisqu'on pourrait citer au niveau des coureurs malheureux du jour, ou des favoris un petit peu malheureux, Stefan Kung, qui est tombé, je crois, trois fois, donc enfin mais les deux premières fois, c'est même pas sur les pavés. Hein, donc Il a c'est fait aussi. les pavés, l'herbe, la terre, enfin, c'est compliqué. Bah, il a passé une sale journée, le pauvre Stefan Kung. J'ai envie de dire, voilà, la coup, voilà. Il y a eu pendant longtemps, Van Marck aussi, on nous cite sur le chat. Voilà, il y a beaucoup eu de chutes, de crevaisons. Il y a bah, les quick steps aussi ont été assez malheureux sur le. Peut-être qu'on y reviendra sur les crevaisons, ce qui fait qu'au moment, voilà, ce qui a fait que certains ont perdu un petit peu la tête de la course. On a vu une grosse chute de Peter Sagan aussi. Voilà, c'est vrai qu'évidemment, les conditions, les chutes, les crevaisons ont beaucoup joué avant que finalement, voilà, se dessine un petit peu le scénario avec. Quelques coureurs devant, dont Moscone, puis voilà, après on a vu la deuxième phase de course, j'ai envie de dire, avec l'offensive de Van der Poel, Théo. Oui, un Van der Poel qu'on avait vu un peu émoussé. Il avait fait une première attaque après les tout premiers secteurs pavés qui n'avaient pas lâché grand monde. Il a fait la trouée d'Arenberg en tête, il me semble. Et là, il sentait vraiment aller de mieux en mieux. Van Aert avait été un peu distancé. C'est dans un moment un peu entre deux où il décide de relancer la course et de partir si je dis pas de bêtises, à la poursuite d'un groupe avec Colbrelli qui était parti devant. C'est ça, si je me trompe Voilà, il pas? était intercalé, oui. Oui, Colbrelli était intercalé avec Guillaume Boivin notamment. Et c'est un peu à ce moment-là que moi j'ai compris que Van Aert gagnerait pas aujourd'hui parce que il avait été un peu en difficulté dans Arenberg, mais c'était à cause d'un coureur qui était tombé devant lui. Il semblait très fort après. Et j'ai l'impression que bah, c'était aux alentours du 60e kilomètre, du 50e kilomètre, qu'il a juste plus eu de gaz. Et à partir de là, moi, je pensais vraiment que c'était du tout cuit pour Van Avermaet. Et après, on a eu un moment donné où il était au départ à 2 minutes de Moscone, quelque chose comme ça. Le groupe est revenu genre à 1 minute 23. Et là, tout d'un coup, Moscone ne perdait plus rien. Et à 40 km de l'arrivée, moi, j'étais persuadé que Moscone allait gagner, quoi. Et rapidement, pour revenir rapidement sur Wout Van Aert,
Est-ce que voilà, est-ce que c'est un peu comme sur les championnats du monde finalement, il y a quelques jours, est-ce qu'il avait, il n'avait seulement pas les mêmes jambes, pas les, voilà, c'est pas la grande forme, c'est pas le grand Wout Van Aert. Est-ce qu'il manquait pas les jambes parce qu'on voit que finalement il a jamais pu être, il a jamais pu suivre Van Der Poel. Il a à peine essayé, on l'a jamais senti finalement trop en position de force, Grégory. D'un côté, ouais, il a jamais été trop en position de force. De l'autre, il a tenté d'assumer la course au départ. Il a bien fait rouler, enfin, il a fait rouler son équipe. Il a pris des bons relais à un moment donné pour corser un peu la course. Mais oui, effectivement, une fois que ça s'est lancé avec l'offensive de Van Der Poel, notamment, Van Aert a eu des soucis dans la rambert pour commencer. Et il a eu de gros soucis ensuite où il n'a pas du tout réussi à suivre, même si finalement son résultat n'est pas si mauvais que ça, son résultat final. Il faut dire quand même qu'il a connu quand même un gros passage à vide et il n'a plus spécialement de chance de remporter l'épreuve au final. Mais je pense que la saison commence à tirer un peu pour Van Aert. C'était pas le meilleur Van Aert qu'on ait pu voir, ça c'est certain. Clairement, oui, il n'avait pas ses meilleures jambes ces jours-ci. Et en plus, il doit avoir ce statut d'immense favori qui n'est pas facile à porter, visiblement, Théo. Oui, alors moi j'étais un peu étonné parce que j'ai écouté une partie de la course avec des commentaires anglais et ils parlaient vraiment de Van Aert comme le favori absolu, un peu comme au Mondiaux. Et pour moi, c'était vraiment pas le cas au départ de la course. Il avait montré ses limites sur une course très longue une semaine plus tôt. Il n'avait pas la meilleure équipe. Alors, comme le disait Grégory, ça semblait être le favori dans la meilleure position parce qu'il y avait plusieurs équipiers pas mal costauds à l'avant. Mais moi, je pense que effectivement, sa saison et peut-être le fait d'être allé aux Jeux Olympiques et de pas vraiment avoir beaucoup coupé après, ça fait que sur cette fin de saison, il tire vraiment les jambes. C'est un peu ballot pour lui parce qu'il termine derrière Christophe Laporte, qui normalement devrait être son coéquipier, son lieutenant l'an prochain. Mais voilà, la saison de Van Aert, elle est un peu. C'est pas une mauvaise saison, hein, bien entendu. Il a gagné 3 fois sur le Tour de France. Il a montré un niveau exceptionnel, mais au final, il passe quand même un peu à côté des rendez-vous, en tout cas sur les monuments et sur les classiques, quoi. On va peut-être penser, voilà, seulement 12 victoires. On attendait, on peut lire sur le chat. On va peut-être oui, à la deuxième bon, phase. Ouais, 5 victoires sur le Tour de Grande-Bretagne, c'est pas forcément ce qui l'intéresse, quoi. Ouais. À passer à la deuxième phase de la course avec un moment où, comme tu l'as dit, Moscone s'en va tout seul. À 55 km de l'arrivée, il avait une 40 environ d'avance. Et là, je pense qu'il y en a... Il y en a beaucoup qui se disent il a gagné ou entre guillemets il est bien parti pour la victoire, d'autant plus que pendant le long kilomètre, le groupe derrière lui avec Van Der Poel, avec Vermeersch, avec Boivin, avec Colbrelli, ben ne reprend rien. Hein, ça prend un long moment, l'écart reste le même, et ben jusqu'à peut-être le tournant et peut-être ce qui fait la magie, la dramaturgie de Paris-Roubaix. Tout d'abord une crevaison, Grégory. Ouais, c'est ça. Bah, on avait vraiment l'impression qu'il se dirigeait vers la victoire, vers une victoire qui lui tendait les bras. Après, oui, effectivement, ça reste Paris-Roubaix. Là, c'était une édition bien mouillée, donc il n'était pas du tout à l'abri d'un problème mécanique, d'une chute, d'une pâme de jambe avec la longueur de la course. Mais effectivement, cette crevaison, alors... Certains ne comprenaient pas trop pourquoi il a mis autant de temps à être dépanné alors que la voiture était juste derrière. Donc, je pense que de toute façon, il devait quand même savoir qu'il avait crevé. Mais effectivement, cette crevaison qui est arrivée, et puis peu de temps après, on a changé le vélo et catastrophe. Manifestement, il n'était pas bien réglé. Et ça a causé des soucis par la suite dès le secteur pavé suivant. Visiblement, est-ce que les oreillettes marchaient bien ou pas, ça peut être la question, parce qu'on a, enfin, d'après, en suivant sur France Télévisions, on a l'impression que autant à la caméra on voyait que le vélo, la roue arrière était en crevaison lente, autant dans la voiture ils sont affolés peut-être un petit peu après. Mais c'est vrai que par la suite, avec le deuxième vélo, il a été beaucoup moins à l'aise sur les pavés, alors même jusqu'à chuter, Théo.
Oui, il avait été très impressionnant avant, vraiment, il avait pas l'air d'avoir peur. Bon, Moscone, il a quand même une petite expérience de Paris-Roubaix, même s'il n'avait jamais eu d'expérience de Paris-Roubaix sous la pluie. Mais il y a vraiment eu un avant-après. Et même après sa chute, il semblait vraiment plus en difficulté. Mais moi, j'ai quand même été impressionné par son niveau physique, parce qu'après sa chute, le groupe derrière est à 15 secondes. Et il arrive à reprendre du champ, et finalement il se fait reprendre que dans le carrefour de l'arbre. Et moi, ça me fait me dire que sans ce double incident crevaison plus chute, c'est Moscone qui allait gagner la course, quoi. Moi, ça me semble plutôt évident. Je vais pas dire que j'étais content de le voir chuter, même si c'est un coureur que j'apprécie pas forcément. Mais l'intérêt que ça a eu, c'est que ça a redynamisé et ça a remis un peu du suspense pour la fin de course, à un moment où peut-être on commençait pas à s'ennuyer, mais voilà, on se disait que la victoire était jouée, quoi. Et je pense aussi que ça a remis un peu d'aplomb et ça a repoussé, enfin, comment dire, poussé le groupe derrière à s'organiser un peu mieux, parce que c'est vrai que Van Der Poel, alors il n'est pas du tout comme par exemple Remco Evenepoel à s'énerver vite, mais c'est lui qui faisait la majeure partie du travail, et il avait l'air d'en vouloir un peu à Colbrelli de pas beaucoup rouler, et le fait de voir que Moscone était vraiment plus très loin, je pense que ça a poussé Colbrelli à un peu plus participer quand même, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à revenir. Ah bah, oui, effectivement, parce que pendant un long moment, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont restés, enfin, Moscone les a maintenus, l'écart est resté sensiblement le même, et après, l'enchaînement crevaison, et visiblement, comme on dit sur le chat, peut-être une roue arrière surgonflée ou un vélo mal réglé, il était beaucoup moins à l'aise sur les pavés, forcément, c'est clairement le tournant de la course, et donc ça a laissé finalement Colbrelli, Vermeersch, Van Der Poel, notamment, puis après il y a eu la chute de Boivin et de. C'est, je sais plus, le deuxième qui chute dans ce groupe-là. Bon, bref, dans le secteur pavé suivant, forcément, ça a été le vrai tournant de la course, car je pense que, voilà, qu'il paraissait vraiment très fort. On va peut-être dire un mot maintenant du trio qui a terminé devant, avec un Florian Vermeersch, j'ai envie de dire, qui est la grande surprise de ce Paris-Roubaix. Parce que je pense que personne ne s'attendait à le voir aussi fort et j'allais dire aussi longtemps, parce qu'il a été aussi dans la toute première échappée, on l'a même vu un moment seul devant. La vraie révélation, Grégory. Ouais, c'est ça, il a fait une super course. Il a été, oui, effectivement, en avant, à l'avant de la course de bonne heure. Il a créé aussi un mouvement de course plus tard, il s'est isolé à l'avant de la course. Il a réussi à suivre Van Der Poel, Colbrelli quand ils sont revenus sur lui ensuite et il parvient même à leur disputer la victoire sur le vélodrome. On sait qu'il a une bonne pointe de vitesse, ça n'a pas été suffisant pour remporter la course, mais il a été très costaud et il faudra le revoir. Enfin, je pense qu'on le reverra dans les prochaines éditions et l'Autosudal a bien besoin d'un coureur efficace sur les classiques, parce que c'est compliqué cette année. Oui, c'est vrai, pour le coup, c'est la bonne surprise pour l'Autosudal. Coureur donc qui a terminé troisième des moins de 23 ans sur le contre-la-montre. Mais je suppose que toi non plus, Théo, tu n'attendais pas à le retrouver à Paris-Fête sur le Paris-Roubaix. Ah non, pas du tout. Et en voyant les l'Autosudal qui étaient devant, je me disais que ça sentait plutôt bon pour Van der Sande. Après, je pense que bon, il doit être déçu de ne pas avoir gagné, mais il peut être content de sa deuxième place. Mais ça se trouve, il n'aura plus jamais un Paris-Roubaix aussi. Alors, je sais pas si, je crois qu'il n'a pas chuté et je ne crois pas qu'il ait crevé, mais ça se trouve, c'était l'occasion de sa vie. Ça me fait un peu penser à Seb Van Marck, qui, bah, aujourd'hui, on l'a vu, avait vraiment eu plein de galères, qui avait terminé deuxième derrière Cancellara en 2013. Je ne sais pas si c'était son premier Paris-Roubaix, je ne pense pas. En tout cas, c'est la première fois qu'il était à ce niveau et tout le monde s'était dit que bah, voilà, c'était un premier podium qui allait en appeler d'autres et bah, il a toujours eu plein de malchance. Alors j'espère pour Vermeersch que ce n'était pas l'occasion d'une vie parce que c'était quand même un scénario particulier où c'était vraiment très avantageux d'être dans l'échappée. Il fait une bonne saison pour un néo-pro, mais il n'avait pas montré... quelque chose qui pouvait laisser penser que c'était un des meilleurs coureurs de,
de classique de pavé au monde. Mais bon, ça fait du bien de voir des surprises inattendues et j'espère que ben il réussira à montrer l'an prochain que voilà, c'était pas juste un one shot quoi. Un petit mot peut-être sur Mathieu Van Der Poel, qui a bien animé la course, mais on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose, finalement, pour s'imposer, un petit peu de fraîcheur. Il a pas eu la préparation peut-être la plus idéale, hein. On sait qu'il a été, blessé, donc il n'a pas eu, je pense, la préparation rêvée. Il lui manque, voilà, il lui a manqué ce petit quelque chose pour s'imposer face à Colbrelli, Grégory. Ouais, il n'a pas eu une préparation idéale, il a été blessé, oui, effectivement. Et sur cette course aujourd'hui, il n'a pas spécialement compté ses efforts, comme souvent d'ailleurs. Et il n'a pas été avare, il a pris de gros relais, il a fait des grosses accélérations. Il n'a pas forcément énormément demandé d'aide à un certain Colbrelli, même s'il l'a regardé à un moment donné. Pour lui le demander de collaborer plus, mais il a quand même largement fait un travail supérieur à celui de l'Italien qui vient d'aligner au final sans trop de difficultés sur le sprint. C'est clair que à l'entrée au Vélodrome, on a bien vu que Van Der Poel était un peu cramé et aurait du mal à s'imposer au sprint. Cramé, ou alors est-ce que on peut regretter son tempérament ou s'en féliciter, Théo, parce que ce coureur, voilà, qui compte pas ses efforts, on aime bien ça aussi quand même, ce type de tempérament, au lieu des épiciers qui comptent leurs efforts. Voilà, on préfère peut-être le tempérament de Van Der Poel à d'autres. C'est sûr. Et en même temps, sur Paris-Roubaix, c'est peut-être la course où faire des efforts devant sur les secteurs pavés, c'est la course la plus judicieuse pour faire ça, parce que être devant, c'est vraiment un avantage, tu vois. Tu dois pas compter sur la chance. C'est vrai qu'aujourd'hui, même jusqu'à la toute fin, c'est quand même lui qui prenait le plus de relais, et je pense qu'il a vraiment mauvaise. Je sais pas si vous avez vu la photo du podium, mais il tire vraiment la tronche. Et j'ai entendu qu'il avait décidé de pas participer à la conférence de presse. Alors peut-être que c'est une course qui va marquer un tournant et que le fait de s'être fait battre par un gars qui a vraiment beaucoup moins roulé que lui, ça va un peu le faire changer de perspective. Je me dis aussi que pour l'instant, en fait, il n'a pas encore. Enfin, c'est l'année où il apprend que il peut pas être le plus fort. Il peut pas gagner en roulant comme si on était dans les années. Dans les années 70, quoi. Il a montré ses limites plusieurs fois cette saison, et j'espère que, enfin pour lui en tout cas, que sans non plus devenir un coureur épicier, il va réussir à la jouer un peu plus finement, et je pense que ses défaites vont l'aider à la jouer finement, parce qu'avant, même en roulant tout le temps, il gagnait tout le temps, donc les mecs qui étaient avec lui, ils n'avaient pas envie de rouler. Là, il a perdu sur le ronde face à Asgreen, et là, face à Colbrelli et Vermeersch. Maintenant, il a de quoi dire, faites votre part du boulot, moi, j'ai pas l'assurance de gagner si on arrive au sprint. Donc peut-être que ça va l'aider sur le long terme. Après, oui, c'est sûr que tu peux pas faire 75% des relais, lancer le sprint, gagner au sprint. À un moment donné, il faut quand même savoir compter un petit peu ses efforts. Je pense qu'il va apprendre de ce type d'erreur et sera peut-être un peu plus prudent à l'avenir, tout en restant quand même largement offensif, quoi. Sa course est presque un sans faute, mais il est tombé sur un Sonny Colbrelli. Alors, que dire de la saison de Sonny Colbrelli, qui n'en finit pas d'épater? Où s'arrêtera-t-il? Parce qu'il est assez... Enfin, que ce soit sur le Tour de France ou même avant, il gagne une étape du Dauphiné, on peut remonter, il gagne une étape de Romandie. Il fait vraiment une année exceptionnelle. Champion d'Europe, évidemment. Et je pense que... Est-ce qu'il y en a beaucoup qui attendaient à cette victoire de Colbrelli? Je pense pas. Est-ce que ça vous surprend déjà, vous, de voir un Colbrelli gagner Paris-Roubaix, Théo? Est-ce que ça me surprend, vu la saison qu'il fait? Non.
Après, bon, petit bémol quand même, c'était son premier Paris-Roubaix, il n'avait pas d'expérience, et donc soit il est, enfin, il est extrêmement habile sur son vélo, hein, honnêtement. Plusieurs fois, on l'a vu aller sur le côté, se remettre dedans. Je me demande pourquoi il n'y avait pas fait avant. Mais bon, après, quand tu réfléchis un peu, tu te rends compte qu'il y a un an, Colbrelli, c'était un coureur honnête du World Tour, sans être une gigastar, qu'il n'avait pas une caisse pour tenir des courses de 250 km, et que c'est pour ça qu'il n'avait jamais mis ses roues à Roubaix. C'est quand même hallucinant. C'est un coureur qui fait, bon, il n'a pas fait partie des meilleurs grimpeurs sur le Tour, mais il était capable de tenir la roue d'un David Godu, dans des cols de première catégorie. Et c'est aussi un mec qui va jouer avec du derrière sur Roubaix avec Van Der Poel. Honnêtement, on a beaucoup de phénomènes de coureurs un peu 4x4 comme Pidcock et compagnie. Colbrelli, j'ai jamais vu ça, quoi. Et je suis un peu circonspect parce que c'est pas seulement Colbrelli, c'est toute son équipe qui cette année a vraiment élevé son niveau. J'ai pas grande chose d'autre à dire. Après, son émotion était poignante à la fin, vraiment. On sentait que c'était vraiment une libération pour lui. Mais voilà, c'est l'éternel problème du cyclisme où on est toujours un peu circonspect face à certaines choses, quoi. Et pour reprendre un des commentaires du chat, ce que dit Stradri, oui, vu sa forme, effectivement, il aurait une chance sur le Lombardie, quoi. Donc ça serait dommage de ne pas y aller. Ah, je pense que s'il gagne le Lombardie, ça va commencer à faire beaucoup. Mais c'est vrai qu'une saison vraiment impressionnante, on a l'impression qu'il peut gagner quasiment partout. Et encore ici, comme tu l'as dit, hein, sur les pavés, il a été particulièrement habile malgré les conditions difficiles. Son équipe aussi, on a vu Heinrich Hössler un peu ressuscité aussi. C'est vrai que voilà, là, quand on fera le bilan en fin de saison, je pense que la Bahreïn et en particulier Colbrelli, ça sera quand même les front partie, je pense, hein, des grands gagnants de cette saison. Alors peut-être on pourra aussi se poser peut-être quelques questions, pourquoi, comment, mais ça reste quand même des performances impressionnantes, Grégory. Ouais, c'est impressionnant d'un côté, de l'autre, Colbrelli, il est malin aussi, il sait très bien de ne pas faire les efforts qu'il faut. Enfin, en tout cas, il sait très bien compter sur les autres pour rouler limite à sa place. Et après, bon, évidemment, il fallait être là, dans le final, pour aligner les autres qui ont fait plus de travail, c'est toujours plus facile quand on en a fait un peu moins. Mais Colbrelli, j'ai regardé son passé, il n'y a pas forcément grand-chose à signaler sur les classiques, ou quand même, enfin les classiques flandriennes, j'entends. Quand même, sa première saison chez Bahreïn, il a été pas mal du tout sur le 3, le Ronde, il fait top 10 des deux, il fait un top 15 à Ganvevelgem, c'est sûr, ça vaut pas la gagne à Roubaix, mais c'est-à-dire c'est qu'il ne sortait pas complètement de nulle part, pour le défendre un tout petit peu, on va dire. Mais c'est clair. C'est l'enchaînement, je veux dire. Il a gagné toute l'année quasiment. Tu parles du Romandie, ouais. Sur le Tour il était fort, il gagne aux Europes, il a gagné encore Roubaix. C'est clair que c'est une saison qui est bien longue et efficace tout le long de la saison, quoi. Il n'y a pas de trou d'air. Ça reste quand même encore une victoire italienne, ce sera une sacrée saison quand même pour... pour l'Italie et pour Colbrelli, on va peut-être en dire un mot d'une équipe qui est un petit peu déçue au final, c'est la Quick-Step. Hein, la Deceuninck Quick-Step qui place Yves Lampaert cinquième, mais qui a connu aussi, alors par des soucis mécaniques, par des chutes. J'ai l'impression, alors, de ce qu'on a pu suivre, j'ai l'impression qu'il y a eu crevaison ou chute quasiment tous en même temps. Que ce soit Sénéchal, qui est un premier, mais après les Asgreen notamment aussi, les Schibar. Même Lampaert d'ailleurs qui a totalement évidemment désorganisé l'équipe, ils ont jamais quasiment pu revenir finalement, Grégory. Ouais, pourtant ils avaient pas trop mal manœuvré en début de course, ils avaient placé du monde dans l'échappée, ils étaient bien présents en nombre aussi dans le groupe des favoris, et effectivement les premiers secteurs pavés ont causé de quelques soucis, puis les suivants en ont apporté d'autres. Alors parfois, ils ont réussi à revenir, notamment Lampaert, mais Sénéchal, par exemple, a crevé vraiment à un très mauvais moment, et
et n'est jamais revenu. Ensuite, on a eu Asgren qui a complètement disparu. On a eu Lampard qui a crevé en même temps. Stibar était présent, mais a reculé ensuite. Donc ils ont, et par la suite, ils n'ont jamais réussi à inverser la tendance, malgré le top 5 de Lampard qui s'est bien battu au final et qui assure un minimum, on va dire, mais clairement cinquième de Paris-Roubaix pour De Kooning et rien d'autre, c'est clairement une déception. C'est aussi ton sentiment, Théo. Alors, c'est quoi? C'est la malchance ou c'est finalement ce qui est devant? Il y avait Balerini, je crois, à un moment devant et De Clercq qui n'ont pas réussi à accrocher le bon wagon. Quelle est ton analyse? Ouais, c'est un mélange des deux. Ils n'avaient pas le gros favori au départ de la course, mais par contre, ils avaient beaucoup de bons outsiders. Et c'est vrai que moi, Balerini m'a déçu, même si il était vraiment fort en début de saison. Il me semble aller marcher un peu moins pour cette fin de saison. Mais ils n'ont pas réussi à avoir un coup d'avance, quoi. Alors que le fait d'avoir une équipe aussi dense que la leur, c'est ça. Enfin, l'avantage, c'est ça, c'est de pouvoir avoir un coup d'avance. Et la course, ça fait qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de le faire. Et le reste, c'est de la malchance tout simplement. Heureusement pour les coureurs, ils avaient tous signé leur contrat avant. Enfin, ils n'auront pas de regrets parce que Sénéchal, Stibar qui était moi perso un peu mon favori de la course, j'ai un peu été déçu, mais oui, comme dit, tout s'est pas déroulé idéalement pour lui. Mais ils avaient tous signé leur contrat avant Paris-Roubaix. J'étais là, c'est vraiment dommage parce que s'il y en a un qui le claque, il va regretter d'avoir signé avant d'avoir claqué. Mais bon, au final, tant mieux pour eux. Et ça montre aussi que quand les conditions sont vraiment difficiles et que ça se joue au final à la pédale quand même, et le fait d'être plusieurs à être très fort, ça suffit pas pour gagner, quoi. Et quand il n'y a pas de temps mort pendant une course, ton avantage numérique, il sert pas forcément à grand chose. Un autre exemple, mais moins important, à la fin. Les Israel Startup Nation étaient en surnombre, mais bon, le surnombre, quand t'es mort, voilà, il sert à rien, quoi. Et merci à Paul Bismuth pour le follow. Excellent pseudonyme. Déception, donc, Quick-Step. On va peut-être parler un petit peu maintenant des Français, avec la sixième place de Christophe Laporte. Sacrée performance, comme on l'a vu. Alors, il a eu un drôle de souci, visiblement, parce qu'on l'a vu plusieurs fois à l'entrée des secteurs pavés, freiné en mettant le pied sur sa roue arrière. Ça, je l'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, ça. Moi, j'ai déjà vu des mecs en fixie faire ce genre de truc. ou des jeunes en BMX. Mais non, j'avais jamais vu ça. Visiblement, voilà. Moi, je pense plus de frein. Qu'il nettoyait la chaussure au début. Ou qu'il nettoyait son pneu. Voilà, mais visiblement, c'est un problème de frein. Alors, ne tentez pas ça chez vous quand même, si vous tentez, surtout. Mais donc assez adroit, et finalement, voilà, malgré ces petits pépins mécaniques, une belle sixième place, j'ai envie de dire, importante pour lui, parce que l'année prochaine, enfin, il marque un petit peu son territoire, j'ai envie de dire, parce que l'année prochaine, il sera dans la Jumbo-Visma, où la concurrence sera assez forte, donc je pense que c'était important pour lui. Déjà, bon, peut-être de remercier Cofidis pour les années qu'il a passées chez eux, mais aussi, voilà, de marquer un petit peu de son territoire, parce que l'année prochaine, il aura une sacrée concurrence, Théo. Ouais, et c'est sûr que, bon, c'est terminé devant ton leader de l'an prochain, c'est pas mal pour lui, pour sa confiance, mais je pense que c'était assez clair quand il a signé là-bas que quand Wout van Aert sera une course sur une course et que ce sera et qu'il voudra gagner, Laporte se mettra à son service. Après, par rapport aux autres et par rapport simplement aux autres coureurs de classique de chez Jumbo, Tennyson, Van Hooydonk, voilà, Laporte, il se place comme coureur protégé quand Van Aert sera pas là, quoi. Faut voir aussi s'il arrive à augmenter son niveau, tout simplement, parce que il va aussi chez Jumbo pour être dans un environnement, je crois qu'il l'avait dit un peu comme ça, plus professionnel pour voir autre chose. S'il réussit à hausser son niveau dans une équipe étrangère, voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être un coureur qui vise le podium sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, c'est sûr. Après, Van Aert, c'est une star internationale et c'est pas parce qu'il termine une place devant lui sur une édition de Paris-Roubaix qu'il sera leader l'an prochain à Paris-Roubaix pour l'équipe Jumbo, quoi. C'est aussi ton sentiment, Grégory? Ouais, il y a quand même une belle équipe, il y a même des jeunes qui poussent aussi chez Jumbo, donc il y aura quand même une belle concurrence.
Il aura une belle concurrence, oui. Après, je pense quand même que sa saison est très très intéressante et peut lui permettre. Bien évidemment, il faudra qu'il fasse ses preuves dès le début de saison, mais ça peut quand même lui permettre d'être un des coureurs protégés, même si, bien sûr, Van Aert sera le grand leader de l'équipe. Mais être lieutenant de Van Aert, par exemple, ça peut quand même lui permettre, malgré tout, si Van Aert est très très fort, ça peut lui permettre de faire un top 10 malgré tout. Sur des épreuves World Tour, c'est tout à fait envisageable. On pourra juste voir si Laporte arrivera lui aussi à continuer sa progression, parce que honnêtement, je trouve que sa saison 2021 est très très encourageante pour la suite. Alors derrière, pour les coureurs français, c'est un petit peu la soupe à la grimace. On a une 13e place d'Anthony Turgis, mais je crois qu'il y a eu une chute notamment. Ouais, c'est un moment où on a vu pas mal de coureurs tomber en même temps sur le bas-côté, dans l'herbe notamment. On a fait partie. Voilà, donc difficile si on parle après. Le prochain, après, il faut retrouver aux alentours de la 30e place Arnaud Démare et Clément Davy. Clément Davy, bonne surprise, hein, j'ai l'impression, parce que je pense qu'on n'était pas nombreux à s'attendre à le voir bien placé assez longtemps. Donc peut-être une bonne surprise et démarre autour de la 30e place. Il y a eu pas mal de soucis aussi de chute, hein, j'ai l'impression, à part évidemment Kung, on en a déjà parlé, mais c'était un Paris-Roubaix difficile pour la Groupama Théo, puisque tu es un Groupama boy. Ah oui, mais avec la pluie, les fans de la Groupama attendaient surtout Stephen Kung. C'est vraiment le. Enfin, sous la pluie, il a vraiment, vraiment un avantage par rapport au reste du peloton. Mais bon, c'était pas son jour. Il a chuté trois fois. Et une fois qu'on a compris que Kung était hors jeu, moi, je n'attendais pas grand-chose de Démare. Démare sur Roubaix, pourquoi pas, mais je pense qu'il lui faudrait une année où c'est sec déjà et où il y a un vent de face dans. Il y a un vent de face dans les secteurs les plus importants et qu'il gagne un peu à la John Degenkolb, par exemple. Je trouve qu'il a quand même fait une belle course. On l'a vu à un moment donné revenir dans le groupe Van Aert. Après, il était lâché. Je ne sais pas comment il était lâché, si c'était la pédale ou s'il a eu un incident. Mais oui, belle surprise de Clément Davy, qui quand même est un coureur il est passé pro en début d'année dernière, je crois. Et il était vraiment là, simplement dans le groupe Démare pour rouler. Et il montrait pas trop de capacité personnelle. Et là, ça fait quelques courses, on le voit. Je sais plus si c'était le Grand Prix de Dénain ou le Tour de l'Eurométropole, mais il était dans un coup avec Kwiatkowski, avec des gros coureurs du World Tour. Et voilà, ça peut être intéressant pour lui de montrer qu'il n'est pas simplement un équipier et que sur certaines courses spécifiques, il peut être devant. Bon, on sait que c'est un rouleur, que c'est un mec qui est dur au mal. Voilà, s'il peut se montrer dans certaines classiques World Tour, ça pourra que densifier l'effectif de l'équipe qui en a bien besoin. Mais globalement, oui, c'est pas un Roubaix très, très reluisant. Ouais. Un petit mot peut-être sur la BNB Hotel, qu'on avait plutôt à son avantage à un moment, même si finalement, sur la fin, faut aller chercher je crois que c'est la 20e place de Luca Mazzato. Mais à un moment, on en a vu 2-3, il y avait notamment avec De Becker, je crois, et un autre dont je ne me rappelle Et plus le Jérémy nom. Lecro aussi. Jérémy Le Lecro Croc, il y aussi. avait Lemoine, il y avait même Mozzato qui était Le Moine, voilà. dans l'échappée aussi. Donc, belle perf, Grégory. Ben oui, déjà ils se sont montrés, c'est ce qui est déjà très très bien au niveau de Paris-Roubaix. Ils ont pris l'échappée aussi avec Mozzato qui a été éliminé sur crevaison. Et à un moment de la course où les gros bras derrière se sont montrés, on a vu Le Croc et Lemoine qui étaient pas mal du tout. Bon, ils n'ont pas forcément tenu sur la distance et ont eu des soucis par la suite. Que ce soit chute, crevaison ou panne de jambes. Mais ouais, ils ont montré un bon comportement, donc c'est pas mal, c'est à souligner. Même Le Croc, à un moment donné, est parti dans un coup avec Colbrelli, notamment. C'était pas mal vu quand on voit ce qui s'est passé ensuite pour Colbrelli. C'était une course bien sentie pour eux, même si le résultat final n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'ils auraient pu espérer. Au vu de leur comportement. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur un coureur ou une équipe que vous avez remarqué ou pas, justement?
Je pourrais parler d'AG2R éventuellement, parce que même si Van Avermaet était dans l'échappée, ils avaient quand même Van Avermaet et Nassen au départ, et le résultat, c'est Van Avermaet 30 et quelques et Nassen 50e, donc je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une réussite. Et pour toi, Et moi, Théo? un petit mot sur deux coureurs. Déjà, Guillaume Boivin, qui avait fait une belle perf aux mondiaux, un top 20 aux mondiaux, qui avait vraiment une super forme, qui était dans le coup gagnant, mais qui a chuté malheureusement dans le secteur précédent le carrefour de l'arbre. Peut-être qu'il aurait réussi à accompagner les trois qui se sont joués les gaines jusqu'au bout, mais vraiment, très bon niveau. Il est vraiment en très bonne forme en cette fin de saison. Et un autre petit mot pour Max Walscheid. Qui était un sprinter pas trop en réussite et qui s'est reconverti cette année en coureur de contre-la-montre et classicman. Et il a vraiment le profil idéal pour Roubaix. Il est très grand, il est 2 très mètres 12, puissant. ouais. Il est bon, Ils sont bons, il est tombé deux fois, mais ouais, il termine 12e. C'est une belle perf. Et dans le même cas, on peut aussi parler de Jonas Rutsch, le coureur de F aussi, voilà, coureur allemand, grand, costaud, dur au mal, un peu à l'Annie Expolite, et j'ai hâte de les revoir sur Roubaix. bien. Eh bien, juste une dernière question. Pour le prochain Paris-Roubaix, vous voulez la pluie ou vous voulez un Paris-Roubaix sec? Moi, je Théo? veux qu'il pleuve le matin. Il pleut le matin et ça s'arrête quand le coureur arrive. Comme ça, c'est boueux, mais c'est pas non plus la foire. Et toi, Grégory? Ouais, voilà, un petit mix, mais un Paris-Roubaix avec des pavés humides, c'est pas mal du tout. Un mauvais temps, mais qui se maintient quand même un minimum. Mais pavés humides, voire mouillés, mais pas non plus plein de trop de boue et enfin ça reste un petit peu plus praticable qu'aujourd'hui, on va dire. Bien, ben, je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi, pareil, un petit peu de pluie, mais pas non plus peut-être, parce que il y avait certains endroits qui étaient vraiment, on va dire, assez scabreux. Pourquoi le titre est jeudi Mercato? Je ne sais pas, parce que j'ai pas changé le titre. C'est une bonne question, parce que j'ai oublié. Et donc, ben, on changera après, je pense. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai oublié. Eh bien, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là, merci à Théo, merci à Grégory. Probablement une émission dans la semaine de Charles sur le Mercato. Et donc à très bientôt. Merci à vous. Et oui, course Salut. folle incroyable, on espère qu'on verra pareil la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Salut tout le Salut tout monde. le monde, ciao!